Eh bien salut à tous, c'est Barof et bienvenue pour un nouvel épisode de Fallout 3. Alors je vous cache pas que c'est la deuxième capture que je fais. J'ai des problèmes techniques avec mon boîtier de capture. J'espère que je vais pouvoir enfin réussir à vous faire cet épisode. Il sera plus court, hein. Je vais finalement tabler sur une trentaine de minutes de capture, hein, parce que avec des galères comme ça, là comme je viens de faire une heure de capture pour rien finalement. C'est beaucoup de temps perdu, donc quitte à avoir des problèmes techniques, autant que je perds le moins de temps possible. Voilà, donc on est à la recherche de notre père, hein, qui a priori a pris la direction de la sortie de l'abri 101, et ainsi que Amata. Vous voyez, il se passe des choses, là, il y a du monde qui court dans tous les sens, je sais pas qui c'était là-haut d'ailleurs. Mais bon, il s'est passé différents événements, hein, dont on ne connaît pas encore la tournure, donc on va voir ce qu'on peut faire, on va essayer de trouver notre père, voire même, pourquoi pas, la sortie de l'abri. Alors... ici, on va faire un peu le tour des lieux d'abord, voir si on peut recouper. Ah oui, voilà, on peut récupérer pas mal de petites choses. Hop là. Oula. Hop hop hop, enfoiré. Je t'ai pas vu venir, toi, je t'ai pas entendu. Allez. Voilà, parfait. Ça t'apprendra à venir me chercher des crosses, toi. Hop là. Allez, on va récupérer ce qu'il a sur lui. Très bien. Ensuite, donc j'allais dire, voilà, on va récupérer tout ce qu'on a besoin. Alors, on va c'est bon, j'ai cru qu'il y en avait un autre qui arrivait. On ne va pas prendre tout ce qui vaut moins de 5 finalement. Pourquoi? Parce que je suis arrivé dans l'épisode précédent à la limite de mon poids. Alors, on peut porter qu'une certaine... un certain poids maximum, et à partir de ce moment-là, lorsqu'on a atteint le maximum, on ne peut plus avancer, on est bloqué. Donc du coup, je suis autant ne pas se bloquer, je sais que de toute façon, je vais devoir très vite me débarrasser d'objets. Donc je ne prendrai pas la peine de... voilà, tous ces petits trucs qui valent 1, par exemple, je ne vais pas les récupérer. Je ne vais pas pouvoir de toute façon m'en servir à l'issue. Alors, on va recharger d'abord, je crois qu'il y a un deuxième ennemi par là, il me semble. Mais voire même deux ennemis, voilà. Est-ce que deux vont venir? Il s'approche en tout cas. Ouais, ça bouge pas des masses. Hein. Allez, tac. Hop, 75% dans le tronc. Non, non, non. J'ai une bêtise. On va faire la jambe, puisque la jambe, on a plus de chances de la toucher. Je sais pas pour quelle raison, mais bon. Oh, on lui a arraché le tibia, lui. Quatrième, voilà. Allez, 4 balles doum doum dans la jambe. Hop, on se barre. Ça suffit pour le finir. Parce qu'on a des balles, quand on lui tient la jambe, le mec, on le tue. C'est des balles doum doum doum. Bah, vous les connaissez déjà, ces balles. Hein. Hop, allez. 62. Ah, bah, toujours pas. Ah non, attendez. Voilà, tout dans le bras. C'est parti. Remarquez, ce sont les zones qui sont les moins protégées, a priori. On se barre encore une fois. On va attendre de récupérer un peu de points d'attaque. Ou points d'action d'ailleurs. Hein. Je crois que c'est points d'attaque ou points d'action, je sais plus. T'as un petit bug. Un petit bug, regardez. Est-ce qu'on peut l'avoir? Vous croyez qu'on peut l'avoir? Non, à travers la structure, non. Allez, on y retourne. Et on l'a, on le fait. Bah directement. Ah non, dans la jambe encore une fois. Non, non, encore mieux. Il y aura une là. Mais non. Ah, mais... 95 pour la jambe droite. Tiens, on va lui faire les deux jambes. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah alors, voilà, tac. Allez, on va en faire un boiteux. Allez. Parfait. Très bien. On recharge. Bah alors, tu recharges pas, c'est pas grave. On récupère la combinaison. Tac. Alors, je vais pas faire celui qui découvre, hein, évidemment, puisque je viens de faire tout ça déjà. J'ai eu cette phase de jeu. Hop là. Oui, alors par contre, j'ai récupéré de la combinaison, mais eh ben, il manquera un bout à ma combinaison, a priori, hein, vous avez vu. Là, ça nous mène où? Il faut pouvoir crocheter. Tom Holden est mort, et eh ben on récupère sa combi à lui également. Ok, voilà, ça peut, j'ai rechargé. Ensuite, je vais réparer ou pas mon matériel? Non, pas encore. Là, on peut pas. On a vu l'essentiel ici, je crois. Me semble, ouais, c'est ça. Allez, on va monter. Attendez, avant de monter, tiens, bah dans la phase précédente, j'avais ici des rats de cafards que j'ai pas voyé. Donc, comme quoi, d'une version à l'autre du jeu, il va y avoir des différences.
Ou alors, à moins que c'était ces deux-là que je retrouve en haut, finalement. Ah, peut-être, ouais, peut-être, peut-être. Ouh, à mon avis, je vais avoir du mal à me le faire, lui. Alors, on va commencer, on verra bien. Ouais, c'est ça, je l'ai loupé. Par contre, voilà, le deuxième, c'était quasiment sûr qu'on l'aurait. Allez. Hop. Mais non, mais... Hop, vas-y, vise d'abord. Très bien, tac, et... Pareil pour lui. Voilà. Allez. Parfait. Donc c'est ça. Au lieu d'être en haut des escaliers, ils étaient dans cette zone-là. D'accord. On recharge. Qu'est-ce que tu as me donné, toi? Rien. Toi. Rien. Toi. Rien. Et toi. Rien. D'accord. Là, ils sont tous morts. Hop. Voilà. Parfait. On poursuit. On a vu quelqu'un passer par ici tout de suite. Hein. Administration. C'est celle de ton père. Il a fallu qu'il s'en aille. Hein. Il a fallu qu'il pourrisse sa vie à tout le monde. Quoi? Je suis... Comment on passe ici? On peut pas y aller. Hein. Bon, on va aller voir là-bas en face. Il y a deux portes. Est-ce qu'on peut les ouvrir? Non. Et puis, là... C'est quoi? Ça, ce serait bien. Non plus, on peut pas les ouvrir. Très bien. Bon, l'équipement, ce sera pas pour tout de suite. Eh bien, écoutez, direction l'administration. Toi, t'as de la chance que je peux pas ouvrir. Hein. Je sais pas trop comment on peut accéder à leur appart. Toi... Tac, on prend ça, et ça on prend ça aussi, très bien, ça là-dedans, est-ce qu'il y a ça on prend, et ça aussi, très bien. Voilà. Alors ça vaut toujours le coup, hein, de toute façon, de se battre, ça apporte de l'expérience, donc ça nous fait monter en niveau. Donc c'est toujours très très bien. Ok, là sinon, rien. Oh, t'as les petites bestioles là, ouais, bien sûr, allez bien. Voilà. Parfait. Tac. Ensuite. Là-dedans, rien. Là par là, rien du tout. Donc on n'accède pas aux appartements qu'on venait de voir. Sois raisonnable, Mata. L'agent Mac aime peut-être ça, mais pas moi. Dis-nous où est ton ami, qu'on puisse lui parler. C'est mon ami. J'étais inquiète pour elle. Qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans, de toute manière? Probablement rien. Et c'est pourquoi tu dois me dire où elle est, que je puisse lui parler. Encore? Tu ferais mieux de parler, gamine. Arrêtez! Ça suffit, agent. Alors, tu es prête à me dire où se trouve sa cachette? Il n'y a aucune raison de continuer ça. Si tu crois que je vais la trahir, tu me connais bien mal. J'ai toujours été gentil avec toi, Mata. Et tu as exagéré en profitant de mon laxisme. Encore une fois. Il faut que tu apprennes le respect. Non! Étienne, non! Oh non, mais là, il veut la taper, hein, faut pas. Alors. Faut pas exagérer. Donc là, hop là, on va se le faire lui en premier. Voilà. Déjà lui, c'est bon. Il n'y a aucune raison de continuer. L'autre, il continue à parler, mais ta fille, elle est plus là. Elle est partie, ta fille. Alors. Elle est ici! Empêchez-la de partir! Il m'attaque pas. Qu'est-ce qu'on fait? On le tue ou pas? Elle est ici! On le tue pas. On le tue pas, puisque je suis pas obligé, c'est quand même le père d'Amata. Je vais éviter de me mettre Amata à dos. Elle est ici! Empêchez-la de partir! Et puis on verra bien. Activer le terminal du bureau, ça donne quoi? Verrouiller la porte de la cellule? Non. Si on y va, vous croyez qu'il va nous enfermer? Ah, on peut lui parler, d'accord. J'espère que tu es venue te rendre, jeune fille. Tu as déjà assez d'ennuis comme ça. N'aggrave pas ta situation. Donnez-moi les clés du bureau et le mot de passe, ensuite je filerai. Si vous levez encore la main sur ma tâche, je vous ferai regretter. Je suis là pour vous tuer, Jonas, c'était mon ami. Je fais passer le bien de l'abri par la chute. On va parler de sa même fille d'abord. Même les sentiments paternels. Il ne faut pas laisser les sentiments altérer notre jugement. Quand même. Mais j'admire ton instinct protecteur.
Très bien. Je te donne ma parole qu'Amata n'aura plus à souffrir de tes actes. Bon, c'est déjà ça. Cependant, si tu tiens vraiment à Amata, tu dois comprendre à quel point ce qu'a fait ton père était dangereux. Remets tes armes et mettons fin à cette situation dangereuse. Tu n'as pas à trahir l'abri comme l'a fait ton père. Mon père n'est pas un traître, mais vous êtes un meurtrier et un tyran. Moi, je peux lui mettre ça dans le corps. Laissons l'histoire en être juge. Tu avais écouté ce cher monsieur Broch. Tu saurais que l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. Ça, c'est certain. Et j'entends bien triompher. Tu ne passeras pas la nuit. Garde, à l'aide. Ok. Bon, il me donne ou pas. T'as plus rien à me dire. Est-ce qu'on peut lui faire les poches quand même? Tac. Bah ouais, on peut lui faire les poches. Bon, d'accord, j'ai été détecté, donc je peux rien apprendre. Je peux rien avoir. D'accord, bon. Allez, on se barre. Ici, on a quoi? Porte inaccessible. La suite est sûrement par là. C'est ça. Ouais, donc dans le précédent épisode, hein, j'ai tué le père. Je pense que ça a une incidence sur la suite de l'histoire. Vous verrez pourquoi. J'en suis pas sûr du tout, hein, mais ça en prend pas. Mais on peut l'imaginer. Ensuite, alors lui. Les lunettes, on les prend pas. Elles valent pas assez, comme je vous l'ai dit. Message de papa, on va le prendre. Steam pack, on le prend. Et uniforme, on le prend pas non plus. Même s'il va nous apporter. Je crois que c'est science plus 5, un truc comme ça. Hein. Ouais, c'est ça. Donc ça peut nous aider dans certains moments. Mais on va jouer plutôt un personnage d'action plutôt qu'un intellectuel. Donc on va pas s'enquiquiner la vie. Ici, on a quoi? On a Amata qui est toute seule ici. Et là, ça donne quoi? Ouvrir porte. Ah, bah voilà, on va fouiller tout ça. Ça, non, on prend pas. Ça, on prend pas. Ouais. On peut dormir, tiens donc. Non, on peut pas. Ok, c'était trop beau. Dormir va nous permettre de récupérer des points de vie, entre autres. Donc c'est pas si mal. Là, on pourra pas le faire, en l'occurrence. Cartouche, ça, on prend. Les clés du bureau, formidable. Et la combinaison, on prend pas. Ah, quoique si, je vais prendre les combinaisons. Vous allez voir, on va devoir, peut-être qu'en faisant des réparations, on va leur faire prendre de la valeur, en fait. C'est ça le truc. Donc je vais les récupérer et puis au pire je m'en débarrasserai le moment. Mais c'est venu. Ok, parfait, allez. Donc c'est bien ce que je pensais, hein. En améliorant, en réparant les différents effets, armes ou vêtements, on augmente leur valeur de revente aussi. Alors on va parler à Amata. Merci. Je t'ai dit que mon père n'était plus le même. Je sais pas ce qu'il aurait fait si tu m'avais pas sauvé. Tu ferais mieux de filer d'ici. J'essaierai de te retrouver à la porte de l'abri. Si j'y arrive pas, bonne chance. Bon, d'accord, ça ne change rien finalement, puisqu'elle nous retrouve à la porte de l'abri. Donc, c'est ce qui se passe également dans Si on tue son père. On utilise la clé du bureau du superviseur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Peut-être là-dedans, ouvrir le casier, qu'est-ce qu'on va prendre? Cartouche, très bien, Manta, mot de passe et Steam Pack. Ah oui, on a le message du père aussi qu'on n'a pas écouté. On va faire ça tout de suite, avant d'accéder à l'ordinateur. Une seconde, Jonas. Il faut d'abord que j'enregistre ça. Je ne sais vraiment pas comment te dire ça. J'espère que tu comprendras, mais je sais que ça risque de te mettre en colère. J'y ai longtemps réfléchi, mais j'ai fini par décider qu'il valait mieux que tu ne sois pas au courant. Des tas de choses auraient pu mal tourner, et qui sait comment le superviseur réagira quand il découvrira ce qui s'est passé. Mieux vaut qu'il ne puisse accuser que moi. Manifestement, tu sais déjà que je suis parti. Il le fallait. Tu es adulte maintenant. Tu peux te débrouiller par tes propres moyens. Un jour, peut-être, la situation évoluera et nous pourrons nous revoir. Je ne peux pas te dire pourquoi ni où je pars. Je ne veux pas que tu me suives. Dieu sait que la vie dans l'abri n'est pas idéale. Mais au moins, tu es en sûreté. Le simple fait de le savoir me donnera la force de continuer. Je ne peux pas vous presser, Doc, mais je me sentirais mieux si on terminait ça. D'accord, on y va. Au revoir. Je t'aime. D'accord. Bon, ne nous dites pas à le suivre, évidemment. On va le suivre, on va partir à sa recherche. Ça va de soi. Donc, on va passer sur le canapé. On a trop de choses à faire. Hop, on va accéder au terminal,
de l'aide du superviseur. Le mot de passe, on le connaît, puisque c'est Amata. On va ouvrir directement le tunnel. Mais où est ce tunnel? Il est juste là, devant nous. Allez, on descend. Dès qu'on va nous permettre, voilà. On a moyen de refermer le tunnel si on veut. Moi, je dis on peut le laisser ouvert pour les éventuels résidents qui souhaiteraient quitter l'abri. Oh tiens, je t'avais pas vu toi. Hop là. Allez, voilà. Eh ben t'es mort, parfait. Et qu'est-ce que t'as donné? Rien d'intéressant. Parfait. Allez, on continue notre route. Paf. Je vais rallumer la lumière. Voilà, j'étais pas sûr qu'elle était allumée, c'est bon, elle est allumée. Ensuite, bon bah pas le choix que de passer par cette porte là. Et maintenant. Ah mais non, je suis bête. Je te jure. Ah bah oui, c'est pareil ici. On active l'interrupteur. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Bon, pour l'instant, rien de particulier. Bon, allez, on va activer le module de commande. Faut ouvrir cette porte tout de suite. Oh mon Dieu, tu l'as vraiment ouverte. Eh ouais. T'as réussi? Oui. T'as ouvert la porte? Eh oui. Mon Dieu, j'étais même pas sûr que ça marche. Je n'avais pas besoin de ton aide. Retourne voir ton taré de père. Non, on va dire quand je t'as raison. Quelque chose. J'aurais jamais dû douter de toi. Bah, évidemment. Mais pourquoi pas venir c'est avec moi? C'est tentant, mais ma place est ici. L'abri a plus besoin de moi que toi. Je suis la seule à pouvoir espérer raisonner mon père. D'accord. Écoute, si tu retrouves ton père, dis-lui que je regrette. Pour, tu sais, Jonas, mon père, tout ça. Au revoir. Ah voilà. Moi aussi je te tiens. Allez, hop là. Voilà, un de moins déjà. Et je crois qu'il va y en avoir un deuxième. Qui est tout bugué d'ailleurs. Hein. Bah alors mon petit bonhomme, t'arrives pas à me rejoindre? Oh si, je l'ai vu arriver. Allez, il est là. Tac. Oh, par contre, j'ai pas beaucoup de points d'attaque. Bah alors, t'as peur? Tu t'en vas? Oh là. On va. Non, bah il me reste plus que. Oh, bah, il reste plus qu'un point de vie. Voilà. Bah, il était loin de mourir, lui, hein. Ok, allez, on récupère tout là, voilà, très bien. On va faire le tour de la zone, voir ce qu'il y a à récupérer, peut-être par ici. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Et derrière. Rien de particulier, super. Une pièce qui sert à rien. D'accord. Ensuite, ici, là-bas. Le superviseur. Tous les résidents de l'abri 101 ont l'ordre de demeurer dans leur quartier. Ça nous emmène où ça? Vers l'atrium de l'abri 101, non. Du coup, on remonte. Sinon, là, ok. La sortie, par ici peut-être? Ouais, c'est ça. Peut-être faire un tour par là. Il y a des choses à récup ou pas? Ouais, de la ferraille, ça, on va le prendre pour l'instant. Tant qu'on peut le garder. Pareil, tout ça on le prend. Ça va nous servir logiquement à créer des choses. Ok. Ah si, tiens. Hop, fléchette. Ça se vend en fait. Hein. C'est juste pour apporter de l'argent. Tac, tac, voilà. Il y a des choses qui pèsent rien, donc ça vaut le coup de s'en débarrasser. De les prendre, de s'en débarrasser. Je dis vraiment n'importe quoi. Hein. Ok, allez, direction la sortie. Qui est par ici, si je dis pas de bêtises. Voilà. Bon bah matin, à bientôt. Il faut que tu partes.
Quelqu'un va sûrement venir voir ce qui se passe. Fais attention. D'accord. Eh ben écoute. Bonne continuation à toi. Et à bientôt. J'ai pas vu quelque chose ici. Non, là on a quoi? Là c'est pour refermer, d'accord. C'est tout, d'accord. Ok. Eh ben c'est parti. Direction le monde extérieur, les terres désolées. On a fermé la porte derrière nous. Et ben on s'en va. Oh, ça pique les yeux. Voilà, on est enfin ressorti. On va pouvoir revenir hein, sans problème dans le monde, hein, dans l'abri 101 si on le veut. Hein. Ce sera pas un problème pour nous. On a pris 200 expériences. On n'est pas encore rendu au deuxième niveau. Ah si. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre. Ah, qu'est-ce qu'on va prendre? Alors, je vais aller jusqu'à 25 ici pour ça. Alors, je vous dis pas pourquoi. Mais je sais que ça va me servir bientôt. Sinon, on va améliorer quoi? Il nous reste 7 points de compétences à améliorer. D'accord. Donc, on va prendre armes légères. Et puis, qu'est-ce qui va nous servir? Et réparation, voilà. 4 en armes légères. Non. Je vais explosif. Je vais pas le prendre tout de suite. On va faire 23 et réparation 35, puisque c'est le minimum pour réparer notre équipement, pour améliorer de nouveau notre équipement. Donc en final, je vais plutôt améliorer ça. On va prendre ensuite esprit vif, je crois, un rapport 10% de points d'expérience supplémentaires lors d'acquisition de points d'expérience, ce qui n'est pas négligeable. Là, je vais faire ça. Alors, donc c'est... Oui, alors en plus, en fonction qu'on soit un homme ou une femme au début du jeu, vous voyez, on a différentes compétences qui sont liées à notre sexe. Ça, c'est intéressant aussi, ça permet une rejouabilité. Donc, j'ai dit ça. On prend ça. Voilà. Quête ajoutée, marchant sur ses pas. Allons voir tout de suite à quoi ça correspond. Donc, marchant sur ses pas. Rendre la quête active. Ah, voilà. Aller dans la ville de Megaton pour trouver des informations sur papa. Voilà. Donc on l'a ici, c'est la flèche hein, qui nous indique la flèche avec la pointe vers le haut, c'est la quête. Alors ce qu'on va pouvoir faire aussi également, c'est ça, puisqu'on est à l'extérieur, c'est changer la vue et descendre comme ça. Alors on va faire le grand tour, enfin oui et non, c'est pas exactement le grand tour, on va passer par là. Parce que le but c'est de pas sauter de trop haut non plus. Et voilà, on glisse le long du décor, ça nous permet de ne pas nous blesser. Elle est où là? Voilà, la ville est ici, juste en face, on la voit devant nous. Hop là. Alors, voilà, bientôt arrivé. Bienvenue, bah merci. Qu'est-ce qu'on a là-bas qui fait de la... Ah bah bien sûr. Alors là, je suis déçu parce que ici, normalement, on doit pouvoir... rencontrer zut, on doit pouvoir rencontrer quelqu'un. Ah bon, ça c'est embêtant. Ah voilà, on va attendre une heure. Voilà, il y a moyen d'attendre. Ok. Ah tiens, il y a du monde ici. Alors c'est pas lui que je pensais, mais bon, on va aller le voir. Qui es-tu? Ah bah c'est une autre créature parcourant les terres désolées. D'accord, très bien. Bienvenue à mon humble caravane. Détendez-vous, nous sommes en sûreté ici. Le genre de sûreté que seule une abondance d'armes peut fournir, qu'elle soit puissante ou sournoise. Et toutes sont à vendre à un bon prix. Eh ben, on va faire des achats, mais j'ai combien ma sur moi de j'ai zéro, donc à ce tous qu'on les va problèmes. Faire, je vais d'abord lui vendre des choses. Vous allez comprendre pourquoi. Ça, on vend. Très bien. Hop là, on accepte. Faites-moi signe si vous avez besoin. On va pouvoir faire réparer des choses. Je vais voir ce que je peux en tirer. Parce que lui, il doit avoir un meilleur niveau que nous pour réparer. Donc du coup, on répare tout notre équipement. Tout ce qu'on a en possession. Hein. Pas forcément l'équipement qu'on porte. Résultat, l'équipement prend de la valeur. Puisqu'il prend la valeur, on va gagner plus d'argent en le revendant. Découvrez ma sélection de solutions à tous les problèmes. L'arme à air comprimée, on lui vend évidemment. C'est bon. Ok, on accepte. Parfait. Et lui, qu'est-ce qu'il a à nous vendre sinon? Alors, arme à air comprimée, fusée condensée, non, masse, matraque, pistolet. Ouais, pour l'instant, rien de qui va nous intéresser. Voilà. Tac, on lui dit au revoir. Restez en forme.
D'accord. Et j'ai vu, y a pas quelqu'un aussi là? Voilà, lui. C'est pour tiens. Moi. Je vais mourir. Il me faut. D'accord. S'il vous plaît, je vous en. N'importe quel eau. Je bute cette saloperie. Bon, bah voilà un peu d'eau. C'est... On lui donne un peu d'eau purifiée. Voilà. Je n'ai rien à vous donner. Je peux l'avoir. J'insiste, mon pote, tu peux l'avoir. C'est le moins que je puisse faire pour t'aider. Bon, ouais. Allez. Oh, merci. Allez. Et on améliore notre karma, je pense. Mais dis pas que t'en veux d'autres. Vous m'avez sauvé la vie. Merci. J'ai honte de mendier, mais les temps sont durs. Bah sinon tu t'es. Est-ce que vous auriez encore un peu d'eau? Ouais, non, mais oh. Je... Fichez. Ouais, enfoiré, je viens de lui filer le dos. Il mériterait qu'on le... Ouais, t'as de la chance. Alors, ok, vous savez quoi, on va d'abord faire une... On va aller jusqu'à la... au matin. Et on va se dire au revoir, hein. Voilà, beau soleil. Autant profiter. Alors lui, normalement, il est accompagné d'un animal et de son garde du corps également. Mais attention, là, a priori, ils ont décidé de ne pas nous le montrer. Bon, tant pis, voilà. Bon, allez, on s'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Là, dans le prochain, on rentrera dans Megaton. On ira explorer la ville. On fera la connaissance de différents personnages. Et éventuellement, peut-être, on ouvrira quelques quêtes. Pourquoi pas. Et on verra ça donc dans le prochain épisode. En attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Salut, bye bye.